Et bonjour tout le monde, bonjour YouTube, on se retrouve sur Pass of Titan pour Pass of Titans pour débloquer non, mais pour jouer le successeur de Minus. Il va se réincarner en non, il s'appellera pas Minus, hein, mais il va se réincarner en herbivore, hein, je pense. Alors, je regarde avec vous parce que j'en sais rien, donc voilà, faut regarder ceux qui ont beaucoup d'endommagement de défense et de récupération. Donc lui par exemple, il est pas si mal que ça. Lui, il va être insupportable. Lui, il va être insupportable. Je veux un petit truc, hein. Récupération, il est bon, hein. Alors, lui, il est bon. Je l'ai jamais joué, mais je sais pas le jouer, quoi. Ah, mais c'est même pas un ankylo. Moi, j'appelle ça un ankylo, mais non. Bah, alors, Argentinosaure, je l'ai déjà joué. C'est très lent et c'est très chiant. Ok, c'est ça, les kangourous. Ah ouais, ils avaient pas beaucoup de... Et y a le chameau, quoi. Le chameau, il récupère mal, hein. Il récupère mal. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir plus de défense, plus de speed avec le style là? Plus de défense et plus de speed, quoi. Tellement moche ce truc. Ça a vraiment existé, hein? Ouais, bah pardon. Le Deinocérus. Plus 3 d'attaque. Ah, il est pas mal celui-ci. Léotricératops. Problème de ça, c'est que pour défendre par l'arrière, il a des grands trucs, hein, quand même. Hein. Je regarde, je regarde. Ah, c'est vrai qu'il y a un restart serveur, on va pas avoir le temps de regarder. Iguanodon. Ah, lui, il est bien. Ah, je vais peut-être jouer le Kentro. Ou le taureau. Non, le Kentro. Kentro, il est mieux. Taureau, il est bizarre. Ah, Kentro, ça peut être pas mal. Hein. Mais celui-là, il m'amuse. Alpachi, non. Ça va s'arrêter dans pas long, ça va nous remettre au truc. Le Stego. Ouais, pas mal aussi. Ils sont tous pas mal, mais Kentro, j'ai remarqué qu'il était bien, quoi. Kentro ou l'autre, là? Lui? Ah, Kentros doit être plus sympa à jouer. Ouais, je vais peut-être jouer un Kentro. Après, je pensais, ce machin, ça a l'air marrant. Ça fait mal, ça se défend bien, ça récupère bien. C'est spécial. Endommagé au R, défense au E. Récupération et tout ça, il est super bon, quoi. Moi j'avais dit quoi, Kentro, hein. Endommage au R, défense au E, récupération. Ouais, ça... en fait l'autre il a plus de... il récupère hyper vite, quoi. Lui moins. Vitesse terrestre au R. Où mon truc là. Ouais, franchement il est mieux que le Kentro, hein. Alors il doit être plus long à faire grandir. Je vais l'appeler Lastico. Ouais, non, mais ils ont tous des noms un peu spéciaux. Je sais bien. Mais non, mais il me fait penser à un Lastico en vrai, non? Attendez, c'est compliqué avec mon. Ah oui, mais de toute façon, on n'a pas le droit de. Ah! J'ai rechangé les touches. Lastico. Comme ça. Lastico. Ça ressemble à un Lastico, non? Ah, on n'a pas la même vision des vers de terre et tout ça, mais... Non, un ver de terre plutôt, mais bon, l'asticot, ça lui va bien. Du coup, bah, mal, hein. Il n'y a rien qui te fait des trucs en plus à toi. Non, je veux que tu ressembles à rien. Slim. Voilà. Comme un asticot, quoi. Alors, couleur, pour l'instant... Attends, on te voit pas en entier, là. Ça a l'air gros, en vrai. Je sais pas ce que je vais jouer, là. Pour l'instant, dans les sombres, mon ami. L'asticot plutôt vert. Hein. Enfin, le vert de terre, quoi. Ok, et t'as des motifs quand même. Pas comme ça, j'aime bien. Et l'œil vert. Voilà. Je pense que tu vas être un tueur en série. J'espère. Alors là, vu comme ça, non. L'asticot. Allez, c'est parti! Pour jouer à un herbi, pour vous prouver qu'ils peuvent se défendre.
Non, parce qu'on m'a dit, mais oui, mais en Herbie, on est tout de suite. Oula! Alors, t'es comme ton ami de giga, toi. Il te faudra des attaques. Pourquoi tu te couches? Ah, parce que j'étais pas. D'accord. Oh, ça va en fait. Non, non, c'est parce que j'avais pas les bonnes touches. J'avais pas les bonnes touches. Tu cours vite, vite ou pas? Ouais, pour un bébé, ça va. T'as pas de quête? C'est cool. Ça commence super bien. Sans quête. Ouais. On va se tirer de là alors. Hein. Il a pas de quête. Donnez-lui des quêtes à ce machin là. Hop, je vais juste lancer ça, s'il se passe des trucs. Je pense que ça prend de la place. Bon, déjà, ça prend un peu certainement du processeur et tout, mais je pense que ça prend de la place dans les fichiers du jeu. Donc, il faudra pas que j'oublie d'effacer tous ces enregistrements que je fais en même temps, parce que. On sait jamais. On sait jamais, on sait jamais. Allez. Ah, voilà. Et genre là, si tu redescends, ça veut pas, quoi. Ah, c'est complètement con, il y a une plage. Bon, ça va ailleurs. Hein. Est-ce qu'il y a une autre plage? Oui, mais. Là, j'ai entendu un truc déjà. Je viens à peine d'arriver, j'ai entendu un truc. Je vais aller à la plage. C'est pas la plage des ondulations, ça, en bas? Ouais, je me disais bien. Qu'est-ce que tu veux ramasser si je peux pas descendre à la plage? C'est complètement con, ça. Comment elle s'étend la zone? Laisse-moi regarder. D'accord, c'est par le haut. Donc c'est pas du tout par là. Pourquoi t'es bloqué? Ah, elle tourne. J'entends des pattes, hein, mais. Ah, c'est par le haut, je veux dire. C'est par le long de la plage, mais en haut, quoi. Pas ici. On le sent moyen, hein, mais bon. Là, pour l'instant, il est pas très rapide, hein. Est-ce que t'as deux attaques au moins au début, là? Oui, je vais y aller, mais. Je vais attendre qu'il y ait plus de stam pour regarder s'il a deux attaques au départ de sa croissance. Faut voir aussi s'il est bon. C'est sauté. Pour l'instant, oui, mais je pense que je prends pas du tout le bon chemin. Bon, en vrai, il y a moyen de descendre, hein, mais. Attends. On va regarder. C'est vrai que ça ressemble à un asticot. Non, mais vous pouvez pas dire le contraire. C'est long, c'est difforme. Capacité. Là. Bon, je préfère avoir du speed pour le coup. Il a beaucoup de défense. Medium damage avec le. D'accord. Medium damage. D'accord. Ça fait plus de dommages pendant 45 secondes. Quand on se gratte le ventre. Ok. Et les jambes? Une charge, ok. Et la queue? D'accord. C'est pas mal. Très bien. C'est pas mal. On verra ça plus tard, mais. Pour l'instant, l'asticot, tu vas descendre. Ah, t'as pas le choix. Allez. Il y en a marre de ces dinos qui ont peur du vide. Le vide ne vous tuera pas. Alors là, peut-être. Que ce soit là ou là, c'est tout aussi haut, j'ai l'impression. Hein. Peut-être que là, avec un peu de chance. Ouais, ça va, ça va, ça va. Ouais, bah, oh, non, t'as fait pire avant et tu gueules après? Est-ce qu'il récupère vraiment vite, au moins? On verra bien. Ah, parce qu'en combat, j'aurais besoin qu'il récupère vite, hein. Je pense. Hein. Ouais, ça va, il récupère super vite sa santé. Hein.
Bon, bah, à nous de chercher des machins, quoi. C'est reparti. J'espère que tu grandis vite quand même, hein. Après, en herbie, comme je vous disais, le Kentro, il est plus petit, donc il aurait peut-être grandi plus vite que lui. Regardez sa santé, comme elle remonte vite quand même. Ça va, hein. On a connu pire, hein. On a connu un qui régénérait jamais, c'est-à-dire l'accro. Malgré que j'avais mis hein, le boost hein, au cas où. Hein. Il avait son boost de régène. Hein. Hop, allez. Un bout de viande. Je vais leur croire que t'es un tueur en série. Bon, avec un. Justement, l'asticot avec un asticot, quoi. C'est quoi ce. Quelle bestiole j'ai pris. Allez. Bah, c'est toujours les carapaces de tortue le problème. Hein. On connaît, hein. Il y a des branches. Là-bas. Ouais, non, ça va, il est rapide en vrai. Ouais. On est déjà à trois carapaces. Il est rapide, mais à voir. À voir avec quelqu'un aux fesses, quoi. Après, je lui ai mis qu'il soit un peu plus rapide aussi, à défaut d'être un peu moins costaud, du coup. Et la rapidité peut vous sauver la vie, hein. Pas oublier ça. Allez. Dernière. Hop, et on se tire. Des insectes. Les insectes, c'est dans la zone là. Faut que je remonte, quoi. Je peux remonter par là? Bah, ça va, même en montée, ça va, il est pas si lent. Bah, le truc qui est bien, c'est qu'il a beaucoup de stam quand même. Et puis, il avait une récupération assez rapide. Regardez, je suis presque soignée déjà. Et j'avais perdu quasi un peu plus de la moitié de ma vie, hein, on va dire. Donc on peut pas se plaindre, pour le coup. Allez. Est-ce que tu peux manger ça? Non, tu peux les ramasser. De toute façon, les buissons des herbies, alors ça, j'ai toujours du mal. Je sais à quoi ils ressemblent, hein, mais... J'ai pas entendu marcher. Non, c'est moi. C'est rien, c'est moi. Où sont mes insectes? C'était pas dans le coin là? Entre le lac et. Si, j'entends. Non, j'entends rien en fait. J'ai cru entendre. C'est possible, il y a le petit lac là, en général. Les gens, ils se gênent pas pour venir là pour faire les petites quêtes, quoi. Voilà. Bon, ça, c'est assez rapide à faire, les quêtes de termitières, c'est pas mal. Elles sont souvent les unes à côté des autres, et puis il y en a 10 par 10. Voilà. Ok, des branches dans le coin. Bah, j'ai vu sur la plage. Est-ce qu'il n'y en aurait pas ailleurs? J'en sais rien. Déjà, apparemment, autour du lac. Par contre, il n'y a pas de bouffe pour les herbies dans le coin, là. Donc, apparemment, autour du lac. Et après, il faut qu'on se tire d'ici. Après. Je régène plutôt vite, hein. Ok. Donc autour du lac, il faudrait que je zoome sur cette map là. C'est bien, mais je zoome jamais dessus. Ça serait peut-être plus à me zoomer, quoi. Voilà. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Rien. C'était les paramètres. C'était rien, paniquez pas. Alors. En fait, c'est moi qui panique. Mais... Donc du coup, juste en bas du lac, ils ont dit. Il est où le lac? Voilà.
Va devenir gros peut-être ce machin. Pas si j'en ai déjà croisé. Là et un petit peu plus haut. Ah, c'est quand même assez précis la map. Bah, après, des fois je trouve pas, mais. Ouais, ça c'est toujours pareil. Ça c'est toujours pareil. Après, c'est bien plus loin. Donc ce qu'on va faire, c'est boire un coup. J'ai peur. Hein. Clairement, j'ai peur, mais bon. On va peut-être pouvoir débloquer des attaques, je sais pas. Pas combien de thunes j'ai là. Commencer à débloquer des trucs quand même. Je vais juste monter un peu. Voir si je trouve d'autres branches. Ce serait par là. Voilà. Il y en a plein en fait autour du lac, quoi. Ah, les succulents, ça me fait chier. Ah là, mais ils sont chiants à trouver. T'es couché là? Couche-toi pour de vrai. Voilà. Capacité. Donc. Celle-là, je l'aime bien. Celle-là, je l'aime bien. Sur 7. Sur 7, tête. Medium damage, on est obligé de toute façon. Ça, c'est quoi? C'est coup de queue? Claquement de queue? Ah, ils me l'ont filé là direct? Ok, bah non, alors le claquement de queue, je vais le foutre là. Éclatement de tête là. Patte avant. J'aurais pas assez? Ouais, non, j'en ai pas assez. Ok, je débloquerai celle-là, je la mettrai sur. Sur ma souris. Bon, fais voir. Alors, tes petites attaques. Claquement de tête. Claquement de queue. Ça peut faire mal. Faut pas qu'on t'attaque de côté. Mais bon, après, un peu comme tous les dinos, quoi. Des succulents, non, j'ai pas envie. Si, y en a peut-être autour là-bas, mais. Voilà, quoi. Ah, cette zone, elle est merdique, hein. On voit rien, en fait. On voit rien du tout d'ailleurs, à chaque fois c'est pareil. Je sais qu'il y en a autour du lac comme ça là, mais il y a aussi des gens des fois. Est-ce que là il y a de la bouffe pour les herbies? Non, pas du tout, il n'y a pas de bouffe pour les herbies, mais il y a des succulents. Hein. Normalement tout autour du lac. Qu'est-ce que c'est? Oh putain, c'est un Kalenken. Il va me tuer. Il va me tuer. Oh, je vais partir, hein. Tristement, mais sûrement. Je pense qu'il arrive. Il y a autre chose qui arrive. Putain, mais vous êtes combien? Il y a de tout partout ici. Il m'a vu. C'est Michel? Ça flippe? Il a flippé quoi. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à toi. Niveau stam, je sais plus le Kalenken. Hein. Je vais le courir après pour l'instant. J'ai crié un coup. Non, tu veux pas crier en courant? Bah, t'as raison. Alors, il me distance, mais il y a bien un moment où il n'y aura plus de stam, ce con. Alors, je crois qu'ils en ont une sacrée paire de stam, quand même. Moi aussi, mais. Couché. Touché, touché. Et en fait, c'est pas un Kalenken, si? Oh, je me suis pris un rocher, c'est triché. Quand même pas aller te planquer face à un bébé herbivore. T'es où, saloperie?
pas ses pattes. C'est là-bas, quoi. Sérieux? Je suis un bébé? J'arrive. T'as la vitesse où il reprend sa stam, mon truc. Vas-y, l'astico. Tu peux l'avoir. Elles sont où ses pattes? On les voit pas par terre, mais... C'est étonnant, d'ailleurs. Les traces de pattes, assis là. Là. Il est parti par là. Et après? Par là, je dirais, hein. Non? Ah putain, il s'est barré, quoi. C'est une saloperie. Je l'entends. C'était toi? J'espère que c'était toi, parce que sinon j'attaque quelqu'un que j'ai pas le droit d'attaquer. Mais je l'aurais jamais! J'aurais jamais, mais c'est juste, il avait pas à me taper, quoi. Il est parti où? T'es où? S'il a continué tout droit. Il y a ses pattes. Il y a ses pattes. Il y a ses pattes. Là, je les ai plus, mais... J'imagine qu'il n'y a personne à continuer par là, hein. Non, mais on va laisser tomber, puisque monsieur est un lâche. Ah, après, il a testé, hein. Moi, je testais bien avec... Comment? Ah, du coup, j'ai perdu ma quête des succulents à cause de lui, là. T'es où? Oh, là-bas, non? Je suis pas sûr que ce soit le même. Non, là-bas, c'est vraiment un Kellenken. Je sais pas ce que j'ai tapé. Voilà. Ah, du coup, ça fait chier. C'est peut-être lui, là-bas, au milieu. Je sais pas, j'ai commencé par un Kellenken et j'ai fini sur un petit truc. Ah, si lui, il fuit, c'est que c'est lui, quoi. Non? Ouais, c'est toi. Ok. Eh bah, fous le camp, t'as raison, parce que moi aussi, je vais aller par là. Ça nous amène où? Si bien le joueur. Ouais, très bien. Très bien, il y aura peut-être de quoi bouffer là-bas, hein? Peut-être. Après, c'est un gros lac, hein. On voit où il est passé, il a, là. C'est dur à voir les pattes, mais... Il est retourné en arrière. Ouais, bizarre. Bizarre sa façon de passer. Bon. Ah bah il est passé là. Il est remonté là. En fait, il fait des tours, quoi. Parce qu'il pense que l'asticot n'a pas de mémoire, hein. C'est juste que je me suis trompée de personne à un moment donné, je pense. Mais bon, je perds mon temps. Et mon temps est précieux. Ah, fait chier. J'aurais bien déglingué quand même. Le coup de queue lui a fait mal. Moi, faut que je fasse des quêtes, donc bon. Moi, je suis pas tellement fan de... Je sais pas où je vais, là. Dans une zone où il n'y a rien. Caverne Sand, j'ai pas tellement envie d'y aller, non. Non, faut qu'on redescende, hein. C'est vers Stego Mountain, donc là, que je vais avoir de la bouffe, quoi.
En espérant que ça se passe bien, parce que c'est loin. Les roches de sel, on peut les faire au passage. Par contre, le Kellenken, du coup, il était adulte, hein, donc s'il m'attaque, s'il est encore dans le coin, on sait pas. Hein. Moi, je suis que bébé, hein. Je suis juvénile, là. Hein. Le Raptor, il a voulu m'attaquer, ou je sais pas qui a voulu m'attaquer en premier, mais... En vrai, c'était risqué, quoi. Le Kellenken est toujours là. Hein. Après, je peux peut-être lui mettre cher, mais je suis bébé. Hein. Encore une fois, je pense qu'il peut me déboîter en 3-4 coups. Et lui, il m'a pas l'air bébé du tout. Ouais. On va faire gaffe quand même. On va faire gaffe en passant prendre les roches, quoi. Parce qu'il est rapide et chiant, le Kellenken. Hein. On le connaît, hein. D'ailleurs, Kara est en vacances. Oui, encore, hein, toujours. Donc, du coup... Du coup, comment? Bah, je peux pas jouer le Kellenken pour l'instant. Pas grave. On va l'attendre. Hein. Elle reviendra bien un jour, celle-ci. Les vacances, ça se termine, Kara, un jour. Je dis ça au cas où. Hein. Au cas où elle aurait pas compris le principe des vacances. C'est pas toute l'année. Elle va me buter si elle regarde cette vidéo. Et pourquoi tu me fais un cri agressif alors? Si tu veux pas te battre. Tu veux te battre? Alors fais gaffe. Il me fait un cri gentil et derrière il me fait un cri agressif. Je dis non mais il est malade. Là ils ont vraiment un souci. Hein. Vous inquiétez pas les cris derrière, c'est pas des cris agressifs. Vous entendez crier dans mon micro. Les succulents, et eh ben on est reparti là-dessus. Hein. Pour l'instant j'ai pas trop faim mais bientôt je vais y avoir faim et c'est loin quand même. Hein. Ah, mais je préfère quand même débloquer des quêtes, histoire d'avoir un peu plus de défense encore, hein. Genre mes griffes. Coup de tête, coup de griffe, coup de queue. Coup de tête, coup de griffe, coup de queue. Ça peut marcher comme ça. Mais alors voilà, lui! Merde, j'arrive pas à faire mon coup de queue, mais fais ton coup de queue, connard! J'ai pas pu mettre mes autres attaques. Il y a un Terry là-bas! M'en fous, je rajeune. Si je le touche en vrai. Putain, le Terry se fait courser par un Quetzal. Oui, il fait une danse aussi, hein, mais bon. Oui, ça se bat derrière. Allez, ça m'énerve les gens comme vous. Bon, du coup, il va aller voir le combat. Ça m'arrange, moi je vais aller régénérer dans un coin, mon pote. Le problème, c'est que je pense qu'il régène aussi, lui. Ah, des succulents. Je me suis merdé en fait le coup de queue, j'appuyais sur mon autre touche de souris. Le problème c'est qu'il faut que j'aille FK, mais je ne peux pas. Parce qu'il y a un Kellenken agressif. Ouais.
Si je peux, si je me planque dans un coin. Il faut pas que je loupe ma quête de succulent, quoi. Il m'en reste pas beaucoup à ramasser. Il serait capable de me tuer quand je suis couché par terre. Des saloperies, ça. Après, il était adulte, il aurait pu me tuer, je pense, hein. Voilà. Hop. J'arrive pas à trouver un coin pour me planquer, quoi. Genre, il n'y a pas un coin ici où on peut se planquer au calme. Sans Kellenken, sans personne. Ah non, non, je veux pas perdre ma quête. Ah, super. Voilà, quoi. Super, vachement bien caché. Bravo. Allez, go. Succulent. En plus, on est bientôt déjà jeune ado ou je sais pas quoi. Ah, j'y retourne, hein, je suis obligée. Hein. J'ai de quoi débloquer ou pas? Non, hein. Bah non, je pense pas. J'ai pas regardé, mais. Si, je peux. Celle-ci, hop. Dans le 7, voilà. Ça fera ça de plus. Après, attaque tête. 7 et la queue. Ok. Sauf que ça me bloque un peu les deux. Mais bon. Les deux d'avant. J'ai jamais remarqué que ça pouvait bloquer deux attaques. Si on peut faire mal un peu. Quand je commence à avoir faim, faut vraiment que je me redéplace pas du tout de ce côté-là. Je sais pas où je partais là. Faut que j'aille en bas. Tout en bas. Yes. 480. Est-ce que je peux débloquer autre chose? On sait jamais. Ah ouais, non mais je regarde parce qu'il faut que je puisse me défendre quand même. Alors, personnage, capacité, jambes. Ça, je suis pas sûre. Marche droit devant. La tête, on n'en a qu'une. La queue. Oui, la tête, on n'en a qu'une, merci. Hein, mais. Oh, en plus, 1000 balles, quoi. Alors, je pense qu'elle est... elle fait mal, hein, mais. Ouais, non. Non, 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 on va rester avec ça. On va rester avec ça. Allez. Les fleurs. Bah, au passage, on va les prendre si on peut. Oh, il n'y en aura qu'une à chaque fois parce qu'ils vont pas... ils sont tous passés les prendre, je parie. J'ai l'impression que je cours plus doucement, non? C'est en grossissant, ça? T'as pris du poids, l'asticot, je pense, hein, parce que tu cours un peu moins vite que tout à l'heure. Dommage. Regarde s'il y a des fleurs au passage. Je pense qu'ils les ont prises. Pas grave, on descend. Pas le choix. Faut que j'aille au truc du stego. Donc par là. Pour avoir mes premières fleurs. Si j'arrive à finir cette vidéo, hein, parce que je vais pas AFK toutes les 2 minutes. Ah bah fallait le voir celui-là. Hein. Heureusement j'ai eu une petite patte qui s'est éclairée. Donc c'est là sur la map au cas où si vous cherchez la petite patte. Vous voyez, vous passez le canyon du sel, là, c'est là-bas, c'est le truc du sel tout droit. Tout droit, hop, vous tournez là et vous montez là. Au rond, en fait. Bon, voilà, on va se remplir de bouffe. Ça va me faire une quête débloquée en plus. Et puis, on va devoir s'arrêter là avec l'asticot qui a quand même. Pas mal commencé à grandir. On va bientôt passer. Avec cette quête-là, on va passer. Si je peux manger tout le buisson, on va passer jeune adulte. Adolescent, pardon. Adolescent. Adolescent, on va voir ce que ça nous débloque d'ailleurs. Voilà. On a gagné 300 balles en mangeant, donc on est content. On est passé jeune adulte, adolescent. On est content aussi.
Maintenant, à voir ce qu'il vaut ce dino, quoi. Cache-toi dans les bennes. Pour l'instant, hop. T'es bien là. Alors, qu'est-ce que t'aurais débloqué? Patte arrière. Ouais. Ça, c'est mieux, non? Ah oui. C'est pour ça que ça coûte cher. Ok. Donc, on a ça qu'il faudra qu'on débloque. Ah, ça peut être pas mal, ça. 2500. Hein. Ouais. On n'y est pas encore, mais. En attendant, non. Les pattes arrière. Ah, 1300, quoi. Et ils coûtent cher, les trucs, là. Après, je pense que ça fait hyper mal. Hein. C'est pour ça, mais bon. Bah écoutez, attendez. Coco, lève-toi. Hop. Coco, lève-toi. Tu vas nous faire un cri de faim, quand même. Hein. Même si t'es pas un carnivore, c'est pas grave. On aime bien quand même. Regardez-moi cette tête, quoi. Je peux l'appeler que l'asticot, le truc. Enfin bref, n'hésitez pas à marquer Kalenke dans le commentaire si vous êtes encore là pour cette fin de vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Sa tête, elle me désole. N'hésitez pas à marquer Kalenke. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Lee et l'asticot. Et on vous dit à bientôt. Allez, ciao. Fais un cri énervé quand même. Voilà, les amis, cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous aussi vous voulez faire partie de la liste des gens exceptionnels que vous voyez défiler sur le côté, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre de la chaîne. C'est de 0,99 centimes par mois à 14 euros. J'ai mis les prix les moins chers pour que vous puissiez me soutenir. Et surtout, du coup, qu'est-ce que ça vous donne comme avantage? Ça vous donne l'avantage d'être membre de la chaîne et non pas abonné lambda, on va dire. Membre de la chaîne, c'est quoi? C'est que vous avez les vidéos en avance. Toutes les vidéos que vous voyez en abonné, vous les avez déjà en avance, 4 jours avant en général, ou 3 jours avant, ça dépend un petit peu de l'avance que j'ai, mais vous pouvez les regarder quand vous voulez, et vous avez ainsi de suite toujours les vidéos avant les autres. Donc ça vous fait une petite compensation, on va dire, avec les 99 centimes que vous payez pour soutenir la chaîne, et qui font que cette chaîne continue. Merci à vous. D'ailleurs, si vous aimez le contenu, si vous aimez la chaîne et si vous aimez la personne, n'hésitez pas à cliquer sur ce petit bouton rejoindre. Sinon, quoi dire? Sinon, les abonnés lambda, je vous vois. Alors, il y en a, vous n'êtes pas abonnés, les mecs. Vous regardez les vidéos, mais vous cliquez pas. Cliquez, cliquez, cliquez. Cliquez sur le bouton abonner, ça soutient aussi énormément. Et ce qui soutient aussi beaucoup, c'est ceux qui regardent les vidéos jusqu'à la fin. Là, par exemple, c'était pas la fin. Enfin, si, ça va être la fin, mais j'ai bugué. Coupé. Coupé. Non mais vous, coupez. C'est la fin de la vidéo, je dirais rien d'autre. Hein. Promis, je dirais rien d'autre après la fin de la vidéo. J'arrête de parler alors. Allez, coupez.